ça les petits lapins. Ça y est, on y est. Résultat du concours. Bon, vite fait, je fais un mini speech avant de donner les noms des gagnants. Voilà. Donc, concernant la dernière vidéo que j'ai faite dans les chemins, là. Bon, ça, c'est un gros troll, hein. Faut pas. Je vois qu'il y en avait deux, trois, un peu, je lisais à travers leur récit que. Genre, ils se sentaient visés ou quoi. Non, non, faut pas être paranoïaque, hein. Je veux dire, en fait, j'ai fait ça. C'est parce que. C'est dommage plutôt simplement que de faire une vidéo dans du roulant où t'es en deuxième, troisième, où il se passe rien. Je sais pas moi, faut être créatif, c'est ça en fait que j'aimerais voir moi. J'en sais rien moi, tu passes 2-3 jours à aller gratter dans un bois, à faire une nouvelle trace. Je sais pas, je préférerais te voir faire, tu vois, genre même à galérer, tant pis si tu tombes plusieurs fois machin, mais tu t'acharnes à faire, tu vois, une grosse côte et compagnie. Donc c'est pour ça en fait. Voilà, c'est ce que je disais, si vraiment je faisais de l'enduro, faudrait aller dans ces endroits où vraiment tu galères et tout, quoi, où tu luttes, ou alors vraiment que tu as passé du temps dans des endroits techniques pour pouvoir du coup apprendre et avoir plus de finir avec ta moto. Enfin, tu vois, moi je trouve que c'est beaucoup plus. Comment je vais sortir ça, quoi. C'est beaucoup plus instructif, etc., quoi. Donc voilà. Bon, après, j'ai vu aussi, donc en fait, ma vidéo, quoi, je l'ai postée à 1h du mat. Un truc comme ça. Et franchement, le truc là, ce qu'il y a, quoi, c'est que direct à 1h01 du matin, j'ai un dislike. Donc il y a, je me dis un truc, et ça fait 2-3 fois en fait que ça se passe. Donc je me dis un truc. Soit le mec qui. Soit le mec qui. Là, je suis désolé, je me concentre un peu parce qu'il y a là, je passe à côté d'un cycliste et il y a un tracteur en face. Donc soit en fait, voilà, c'est reparti. Soit en fait le mec, tu vois, c'est un surfan de moi, mais tellement fan qu'il enrage et que du coup voilà. Alors que je vois, il n'y a pas de raison, hein, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Soit sinon je passe, peut-être un robot ou machin, mais bon, enfin un robot, j'y crois pas bien parce que j'en ai où j'ai pas de dislike, donc bon. Mais enfin bon, c'est bizarre quoi, le mec il est vraiment sur fan parce qu'il va des heures pareil pour aller mettre un. Enfin bon. Bon bref, c'est un de ces quatre, je ferai un débat là-dessus, mais on s'en fout. Donc alors, ce qui aussi. Pourquoi je rageais aussi parce que je sais pas moi, si, je sais pas si vous devez suivre. Commencer, ah oui, voilà, Calypso, machin, non, pareil, là, contre lui, je suis pas en train de rager contre lui, je suis juste en train de dire, quoi, en fait, le... Ouais, vas-y, on fait une session dans le chemin. Le mec, en fait, il est... je deviens de ma trajectoire, en fait. Je t'ai pris une vieille bourrasse devant, tu sais, je suis allé bouffer le chemin. Mais bon, c'est un scout d'origine, hein, le truc, on est en côte, là, machin, ça rame, il en peut plus, quoi. Ouais, donc en fait Calypso, j'ai rien contre lui particulièrement, Calypso, quoi. Là où je piche pas, quoi, c'est que s'il te plaît, sa chaîne, c'est la meilleure chaîne moto sport extrême, mon ami. Je sais pas si tu vois où je vais en venir. Bon, après. Après, ce qu'il y a, c'est Calypso, il est bien, franchement. Il y a pour un truc où limite je l'envie parce que c'est sa façon de parler, sa façon de communiquer. C'est-à-dire, le mec, on dirait un présentateur télé, quoi. Je veux dire, il a, et c'est pour ça que ça marche, de toute façon, je le sais. Le mec, il a vraiment quelque chose, on va dire, au niveau oratoire, quoi. Et ouais, franchement, je trouve que là-dedans, pour ça, putain, là, il n'y a pas de souci. Il est vraiment très bon, quoi. Il est vraiment très bon. Et limite, je lui demanderais bien des cours. Mais bon, le problème, c'est que, voilà, il y en a plein qui me demandent, ouais, fais-nous voir ta tête et compagnie. Mais j'ai dit, moi, c'est ça, mon ami, moi, ma chaîne. Toi, c'est pas de faire le Cyprien de la moto, moi c'est faire de la moto, essayer de présenter des choses, et en fait c'est surtout interagir en fait avec ma communauté, et puis qu'elles me disent voilà, là c'est cool ça, continue, fais-nous en d'autres, ou alors non, ça va pas du tout, ou alors essaye de faire comme ça, tu vois, etc. en fait, pour essayer de soit de faire évoluer la chaîne, ou alors en fait c'est ça mon truc, c'est essayer de proposer un contenu vraiment, tu sais, qui plaît, ou alors un contenu à la demande. Si par exemple il y en a plein qui me demandaient de faire quelque chose, soit en jet, en scoot, en mini ou en moto ou machin, eh ben faudra, voilà, faudra faire en sorte de faire une vidéo en harmonie avec ce qu'on me demande. Et du coup je trouve ça cool parce que si par exemple c'est pas, moi je suis des mecs sur YouTube, si par exemple je leur demandais, ouais, est-ce que tu peux me faire ça comme figure, je parle en freestyle par exemple, soit tu peux me faire ça comme figure pour que je voie comment faut faire pour essayer d'apprendre à la faire.
Ah, mais je serais comme un dingue, moi. Mais après, c'est pareil, il faut avoir le temps, parce que les gars, il y en a pas mal, ils ont énormément d'abonnés. Et voilà, si toi, tu n'arrives pas en commentaire en premier ou truc comme ça, s'il y a énormément de commentaires, là, tu te noies au milieu et voilà. Bon, allez, j'arrête mon speech et compagnie, mais voilà, fallait pas le prendre mal. Mais de toute façon, si vous suivez un peu mes vidéos, vous voyez bien comment je suis, quoi. Je suis pas, voilà, moi, je suis pas méchant, hein. Je vais pas insulter les mecs, machin. Même si moi je trouve personnellement, parce que je parle tout le temps franchement, je suis un peu direct, même si moi je trouve personnellement c'est ennuyeux pour certaines vidéos, voilà, où t'es dans le roulant et il se passe rien. Après, j'ai pas dit qu'il fallait interdire les mecs, hein, attention, loin de là, je suis pas un dictateur, machin, je veux dire, c'est même comme Calypso, gars, quand je parle, alors je rage un petit peu parce qu'il a énormément d'abonnés et c'est pas tant extrême que ça. Mais mine de rien, voilà, quoi, il fait son boulot, machin, et c'est loi pour lui, et c'est pas pour ça que je l'interdirais de faire des vidéos, quoi, mais au contraire, quoi. Tu sais, en fait, le plus malin, c'est lui, c'est pas moi, lui, il a trouvé truc où ça marche, mais moi ça m'intéresse pas, enfin j'ai pas envie de faire ça, ouais, de voir mon visage, ouais salut c'est machin, j'ai mangé un kebab, là tu vois, enfin je sais pas, je trouve bon, moi je suis pas un grand fan, quoi. Bah t'imagines si j'étais ouais salut les gars, c'est Scoomy Brap machin, alors aujourd'hui j'ai mis mon short bleu et puis j'ai mon débardeur rouge voilà, quoi, je m'entraînerai devant mon chat, au pire j'ai 5 minutes. Bon allez, gaz, force, ça marche encore. Oula, la batterie est faible. Bon, alors, les gagnants, donc ce que j'ai fait, hein, le deuxième concours, ce que j'avais fait, comment j'avais galéré, j'avais pris les noms de tout le monde parce que c'était que YouTube, j'avais pris les noms de tout le monde, hein, ça m'a pris quasiment une journée, quoi. Enfin une journée, non, faut pas abuser, mais franchement de 9h à midi, j'ai pas lâché, quoi. J'ai marqué les noms de tout le monde sur un petit bout de papier, après j'avais mis ça dans une boîte, j'avais tiré au sort, enfin bon là j'ai dit je fais plus parce que ça commençait à être quelques pelo là et quelques pelo, pelo c'est ça veut dire cheveux, hein, en espagnol, enfin il y en a plein qui pensent que pelo c'est pour dire un mec machin, mais non. Donc vous êtes quelques cheveux en fait, ouais, je vous prends pour des cheveux, ouais. C'est super, quoi. Ah, putain, humour de merde. Donc ouais, voilà, donc les gagnants, alors ce que j'ai fait, moi, j'ai pris un petit peu des personnes de YouTube qui ont participé et un petit peu des personnes de Facebook qui ont participé. Donc comment j'ai fait, j'ai fait au sort, hein, je veux dire, j'ai mis tout le monde en fait en visu. Et puis j'ai pris la roulette, je l'ai fait tourner à fond en haut, à fond bas, parce que histoire des fois ça m'était arrivé, genre après j'avais refait des essais machin, ça m'était arrivé que quand je lâchais je tombais sur le premier ou sur le dernier, parce que si je restais comme mieux automatiquement il y en avait qui étaient pénalisés. Donc j'ai bien fait en sorte de bien monter en haut à fond, descendre en haut à fond, faire ça limite en regardant ailleurs et puis de laisser la souris faire, quoi. Donc alors ceux qui sont tombés. Et oui, et non, je vais pas le dire tout de suite. Ah, t'y attends. Hein. Donc oui aussi, franchement, merci bien, hein, parce que et au total, sur Facebook, si je dis pas de bêtises, ça fait à peu près 2500, je crois un truc comme ça, 2500 personnes atteintes. Sur YouTube, j'ai 5 ou 600 commentaires, donc ça fait 3000 personnes atteintes. Donc je suis à la moitié de personnes atteintes d'à peu près du nombre de mes abonnés. Donc franchement, c'est bien, quoi. Ça a bien participé, je suis bien content de vous. Ah, le problème, c'est que bon voilà, moi j'ai pas des millions d'abonnés et compagnie. Je peux pas aussi récompenser tout le monde. Ce serait moi, voilà, si j'avais si c'était vraiment énorme et compagnie, moi je ferais gagner 20-30 personnes, quoi, tu vois, pas 5. Mais bon voilà, avec le temps, qui sait, peut-être qu'avec le temps ça évoluera. Bon allez, j'arrête de barailler, désolé. Bon alors les gagnants, Thibaut Mocard, et bien mon petit post-it, hein, hashtag sur le jet, il y en a qui s'en souviennent. Donc Thibaut Mocard, Loïc Jouan, Benjamin Duval, toujours le pouce en fait, j'aurais dû faire les trois, mais Blueberries, Rising is back. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gamers aussi, en fait, quand je fouinais sur les abonnés et compagnie. Bande de geeks, faites rire là avec vos conneries là, de Black Ops. Qu'est-ce qu'il y avait, quoi d'autre, ouais, Minecraft, GTA, avec toutes vos conneries là. Arma aussi, hein. Enfin, j'ai bien rigolé. Faites rire. Donc je me répète, Thibaut Mocard, Loïc Jouan, Benjamin Duval, Blueberries, Rising is back. Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire au début, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai fait 1, 1, 1, 1.
il y avait un petit bug. Bon, aussi, donc voilà, je vais prendre contact avec vous. En fait, c'est un, ça sera fait un petit peu avant que je poste la vidéo d'ailleurs, parce que j'avais anticipé, parce que j'avais dit fin août et voilà, tu vois, on est le 30, donc nickel. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, si, ah oui, Ice Pro, ICEPRO, Ice Pro, là, l'échangeur d'autocollants, là, tu voulais que je parle de toi, donc voilà, c'est fait, Ice Pro. Et dans ma vidéo aussi, là, des chemins, là, bon, il y en avait un quart d'heure, donc ça se trouve, vous n'avez pas perdu de temps à passer un quart d'heure. Pourtant, sur la fin de la vidéo, c'était limite le mieux. Parce qu'en fait on était, même si j'aime pas les chemins, hein, mais limite le mieux, mais parce qu'on était dans des petits zigzags, il n'y avait que la trace de la moto en fait entre les ronces et tout. Donc voilà, c'était plus attractif que le début de la vidéo où il y avait les chemins roulants là, où c'était, je l'avoue, relativement pénible. Et, donc ouais, donc Ice Pro, tu voulais que je parle de toi, donc je parle de toi. Hein. Après aussi, bah, j'avais cité Y-Ride. Y-Ride, tu voulais que je parle de toi, bah, je parle de toi. W-H-Y et Ride, R-I-D-E. Et il y avait Men's Wheel aussi, Men's Wheel, par contre lui c'est du vélo quoi. Et Men's Wheel en vélo, il est pas manchot hein, franchement. Mais moi ce que je fais, bah, c'est pareil, ça j'ai pas vu de youtubeur vraiment trop, je parle pour la moto, hein, attention, hein. Trop en fait citer les autres. Je remarque un truc vraiment si ça, c'est que dans la moto en fait, les gars ils veulent pas trop partager le gâteau en fait, c'est... ils sont assez moi, machin, enfin bon... Donc ouais. Donc à venir, je vais vous faire une petite présentation aussi chez... Ah oui, ouais, autant pour moi. Nawak, si tu regardes la vidéo, Nawak là, avec le logo avec l'Indien là. Donc oui, FX Motor, mon ami, tu peux y aller. C'est plus que sécurisé, c'est plus que fiable. C'est des amis à moi. Donc tu vois, j'y suis souvent chez eux, compagnie. Tu peux y aller les yeux fermés. Vas-y. Hein. Et quand t'envoies un message, tu dis que tu viens sur leur site de la... parce que tu as vu les vidéos de Scoomy Brap. Tu verras, tu sais. Et au pire des cas, s'il y a... Après, je sais pas, si t'es de la région, je peux même traiter directement avec toi. Hein, et je pourrais te faire bénéficier de quelques avantages, on va dire. Ça, mais bon, après, si t'es pas de la région du 63, faudra commander via Internet. Donc voilà, la Nawak, c'est comme ça que ça se passe. Et ouais, sinon à venir, bah justement, chez FX Motor, je vais faire des vidéos encore là. Je vais aller un petit peu chez eux, je ferai 2-3 vidéos sur 2-3 choses, hein, je vous en dis pas plus. La rampe, ça va arriver là, parce qu'en fait, si vous voulez, moi je suis sur un gros projet, mais voilà, j'en parlerai plus tard. Je suis sur un gros projet qui va venir, mais tout de suite, je peux pas en parler tout de suite. Donc pour l'instant, je suis obligé de rester à mon motoclub où il y a la rampe, parce qu'il y en a qu'une en fait dans la région, et c'est là-bas. Et le motoclub, il ouvre que début septembre. Donc voilà, moi je suis comme un fou, j'attends, mais bon voilà, mais bientôt, il y aura plus besoin d'attendre. Et après, si des fois, pareil du scout, hein, j'en fais plus, hein, mais si des fois, parce que j'ai remarqué aussi, voilà, j'ai pas mal de jeunes dans mes abonnés, je m'en rends bien compte. Donc c'est pour ça, je fais aussi un petit peu attention à ce que je dis, hein, j'essaye de pas trop être vulgaire et compagnie, parce que bon, il y a des fois, je pourrais dire des trucs un petit peu, mais bon, en fait, quand je réfléchis, c'est débile, vaut mieux essayer de rester, d'avoir une attitude correcte et tout, mais bon, enfin, franchement, voilà. Puis moi, quand je réfléchis, quand j'aurais été gamin, j'aurais préféré, en fait, avoir quelqu'un, en fait, qui soit pas tout le temps, là... à insulter les darons et compagnie, machin, voilà, on a autre chose à faire. Mais c'est pas le but de la vidéo. Si tu veux, après ça, tu vois, il y en a des pleins YouTube où les mecs ils s'insultent et compagnie. Donc voilà, j'espère que le mot est bien passé. J'espère que le mot est bien passé et que voilà quoi, faut parler. Et si en fait vous dislikez mes vidéos, moi je vais pas vous insulter parce que vous dislikez. Au contraire, si vous dislikez en fait, faut me le dire en fait, si vous dislikez en fait. Faut me le dire et me dire voilà, moi j'ai disliké ta vidéo parce que je trouve que ça va pas, je trouve qu'il faudrait peut-être que tu fasses comme ça, je dis voilà, ça moi ça m'intéresse vraiment parce que c'est ça qui est enrichissant dans un débat quoi. Parce que quand deux personnes sont pas d'accord, voilà, on expose les points de vue, machin, et qui sait, ça pourra peut-être sortir au final quelque chose de positif quoi. Donc voilà. Bon allez, hop, j'espère que voilà quoi, que la continuité de mes vidéos vous plaira. Je vous fais une grosse bise. Et puis je ferai aussi une petite vidéo humour là dans pas longtemps parce que il y a un petit sujet qui me. Que j'ai envie de parler et que voilà quoi, enfin mais c'est pour rigoler, hein, faut toujours prendre au deuxième voire troisième degré hein, quand je fais des choses. Hein. Il n'y a jamais de sérieux ou quoi que ce soit quoi. Voilà. Bon allez, je vous embrasse bien fort, faites-vous pas mal, amusez-vous, et voilà, à bientôt. Allez, bise, ciao ciao.